Ja, liebe Geschwister, wir haben eine reich gesegnete Woche hinter uns, das Jugendlager in Tschirf. Ich möchte allen ganz herzlich danken, die auch im Gebet dafür eingestanden sind. Wir haben spürbar die Gegenwart des Herrn erleben dürfen und das Wort hat unsere Herzen berührt. Das zweite Lied, das wir dann singen hier jetzt, ist aus dem Pfingstjubel 526. Ihr könnt mitlesen oder auch mitsingen, wie ihr wollt. Das zweite Lied dann. Time.
Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous saluer tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi à tous ceux qui dans le monde entier voient et suivent, nous voulons les inclure dans cette bénédiction parce que nous voulons cet après-midi, que nous allons recevoir cet après-midi. Que le Seigneur puisse bénir notre frère pour que et que sa parole puisse nous atteindre. La chorale a chanté que ton feu s'allume. Aussi pour nous, que nous soyons une lettre lue de tous les hommes et que les voisins puissent voir qu'il y a quelque chose en nous et qu'ils puissent être curieux eux-mêmes, nous poser la question. Et si nous sommes vraiment des lettres lues, ils poseront la question et nous pourrons répondre. Nous remercions le Seigneur de ce que il a permis qu'il y ait des cantiques inspirés pour notre édification et que chaque cantique déjà est une prédication. Aussi dans le deuxième cantique, nous l'avons chanté comme dans la chorale. Nous voulons marcher à cette race. Oui, ça nous le voulons tous. Mais il doit aller devant nous. Il doit nous conduire et nous diriger dans notre vie. Et alors, nous pourrons le suivre. Alors, nous serons sur le bon chemin. Seulement si nous le suivons. Je voudrais encore que nous puissions chanter deux cantiques ensemble. Comme premier cantique, le numéro 4. Le numéro 4. Je regarde au ciel où on te loue dans la chorale céleste. Seigneur, que je sois dans les lieux célestes. Seigneur, mon cœur te désire. Attire-moi, Seigneur Jésus, dans les lieux célestes. C'est seulement là que l'esprit et l'âme sont en bonne santé. Placé dans les lieux célestes. C'est là qu'est l'adoration dans l'esprit qui vit en dehors des choses du monde. Alors je t'en supplie à chaque heure, Seigneur, que je vive dans les lieux célestes. Mon cœur te désire. Attire-moi, Seigneur, Jésus. C'est seulement comme ça que l'esprit et l'âme sont en bonne santé. Être dans les lieux céleste. Sois calme mon cœur et adore. L'œuvre est déjà accomplie pour toi à Golgotha dans la nouvelle alliance. Tu es placé dans les lieux célestes. Ô Dieu, comme je suis maintenant béni. Je suis établi, ravi dans les lieux célestes, dans le royaume du ciel. L'esprit et l'âme sont en bonne santé. Tu me places dans les hauteurs. Depuis que j'ai foulé le sol de ce sanctuaire céleste, je marche sur le chemin qui mène au ciel. Mon pied s'égarait et était meurtri, mais maintenant je marche dans les hauteurs établies pour qu'à la fin de mon trajet,
le ciel me soit ouvert. Alors je te contemplerai dans la gloire, dans les lieux célestes, pour toujours. Amen. Les deux premières strophes expriment que nous avons ce souhait de nous tenir dans sa présence, dans les lieux célestes. Et le troisième et le quatrième expriment que nous sommes établis dans les lieux célestes et que le ciel nous sera ouvert. Je voudrais annoncer que le frère Carl Zink, qui était toujours assis ici au premier rang, à 98 ans, à 98 ans, est allé auprès du Seigneur. Ça a toujours été son désir d'aller auprès du Seigneur. Et maintenant, il est là-bas, à 98 ans, à 98 ans. Il est auprès du Seigneur. Et nous sommes heureux d'avoir cette espérance vivante et cette assurance. Et ce qu'on a chanté ici, il peut le prendre pour lui. Tu me places dans les lieux célestes. Nous aussi, nous sommes déjà ici sur terre. Dans le troisième strophe, il est dit, esprit et âme sont en bonne santé. Tu me places dans les lieux célestes. Amen. Le Seigneur fait toutes choses pour nous. Il a des pensées de paix pour nous. Il est miséricordieux. C'est encore le temps de la grâce. C'est encore le temps de chercher le Seigneur et de le trouver. Chantons comme deuxième cantique, le numéro 343. Je t'appartiens au Seigneur. 343. Le 343. Je t'appartiens, ô Seigneur. J'ai reçu ta parole. Ton amour habite en moi. Mais je ressens dans mon cœur que j'ai encore besoin de plus de toi. Attire-moi, Seigneur, attire-moi à vivre auprès de la croix, là où tu mourus. Attire-moi plus proche, Seigneur, de ton cœur, fidèle au Jésus. Je t'appartiens au Seigneur et que ma volonté soit entièrement reposée dans la tienne. Seigneur, à ton service, que je puisse plein de foi seulement faire ta volonté. Oh, attire-moi plus proche de la croix où tu mourus. Attire-moi, Seigneur. Bien-aimé Seigneur, proche de ton cœur, Jésus. Dans le temps de sanctification, une seule heure passée dans la prière à genoux devant ton trône, où je t'exprime mes pensées comme un ami le fait avec un ami. Attire-moi plus proche, cher Seigneur, de ta croix où tu mourus. Attire-moi plus proche, bien-aimé Seigneur, Jésus, de ton cœur fidèle. Oh, ce saint temps, passer une heure à genoux devant ton trône. Oui, le Seigneur attire toujours et qu'il puisse
nous attirer toujours plus à lui, pour que tout ce qui est dans ce monde soit insignifiant pour nous et que nous puissions regarder à lui réellement et nos désirs soient tournés seulement vers lui, sur lui, pour nous préparer et que ce qu'il a fait pour nous devienne une réalité en nous et que nous soyons ainsi prêts pour son retour. Que cet après-midi, cela ait lieu et que cela serve à notre préparation pour le jour que le Seigneur a fait. Je demande au frère Baumgartner de lire la parole et de prier. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, au Seigneur soit la louange et la reconnaissance de ce que nous pouvons être ici pour écouter la parole de Dieu. Moi aussi, je voudrais à vous tous qui êtes venus et à tous ceux qui sont connectés avec nous du monde entier, je voudrais fraternellement saluer tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est simplement merveilleux et grand quand nous voyons que sa parole atteint le monde entier et que tous en même temps peuvent suivre au même moment et voir. Le Seigneur est fidèle car il veut que maintenant tout son peuple dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues, les nations, écoute sa parole et aussi que les derniers soient de partout appelés à sortir. Que notre Seigneur puisse cet après-midi ensemble, de la plénitude de sa grâce, bénir et nous accorder la manne céleste. Comme c'est merveilleux de lui appartenir. Le Seigneur a des pensées de paix avec nous. Nous sommes ici pour donner seul au Seigneur la gloire. Et il a tout accompli pour nous. Et nous lui en sommes de tout notre cœur reconnaissants pour cela. Nous sommes ici aujourd'hui pour écouter la sainte et précieuse parole qui, en cet endroit, toujours, clair comme un cristal, est prêchée. Ce dernier message qui, maintenant, va dans le monde entier, est apporté partout comme précurseur du retour de Christ. Ce message ne tolère aucun compromis. Il n'y a pas de oui et mais. Le Seigneur Jésus-Christ est aujourd'hui parmi nous et il passe lui-même par nos rangs. Il est présent et il est prêt à nous bénir et à nous faire du bien. Nous remercions le Seigneur de tout notre cœur de ce que nous avons encore le temps de la grâce. Avant la prière, je voudrais lire une parole d'Hébreux, le chapitre 4. Je demande que nous puissions nous lever pour le faire. Hébreux, chapitre 4. Nous lisons à cela le verset 11 jusqu'au verset 16. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nul verset 14 maintenant. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jusqu'ici, cette parole sainte de Dieu. Nous aussi, nous pouvons aujourd'hui nous tenir, comme c'est écrit ici, nous approcher du trône de la grâce. C'est encore le temps de la grâce et le Seigneur qui puisse nous accorder à tous l'obéissance de la foi et la certitude de la foi, de la plénitude de sa grâce. Nous voulons prier. Il y a encore à annoncer qu'après la prière, il y aura une présentation d'enfants qui aura lieu. Et je voudrais demander aux parents, automatiquement, sans être appelés, de venir après la prière devant avec les enfants. Père Céleste, je te remercie de tout mon cœur de ce que nous pouvons encore dans la liberté nous rassembler. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons déjà entendu et chanté. Nous te remercions de ce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Rafraîchis aujourd'hui chaque âme, chaque cœur. Seigneur, illumine nos yeux et nos cœurs pour que nous puissions bien comprendre ta parole et la recevoir. Seigneur, tu es toujours encore le même. Le sang de l'agneau parle encore aujourd'hui pour nous. Et nous voulons toujours demeurer sous le sang de l'agneau pour que nous ne soyons pas seulement rachetés, mais réfugiés. Nous te remercions de ce que le sang, la parole et l'esprit ont toujours la même puissance. Nous t'apportons toutes les requêtes, tous nos fardeaux, nos soucis, nos faiblesses et nos maladies. Alors que là-bas, sur la croix, à Golgotha, nos maladies que tu as portées sur toi, là-bas, à Golgotha, car tu nous as accordé le plein salut. Quel privilège de ce que, de ta plénitude, nous recevons grâce sur grâce de ta main. Dans la foi et la confiance, nous te remettons cette réunion d'aujourd'hui entre tes mains bénies et te remercions en avance de ce que tu recevras ton plein droit avec chacun de nous et tu feras du bien à chacun. Bénis et fortifie le porteur de ta parole et pénètre-le de ta puissance de résurrection. Ressens, cible pour nous tous, oint ses lèvres par lesquelles ensuite tu nous parleras. Bénis et confirme aujourd'hui encore ta parole parmi nous. Bénis et fortifie-nous tous ensemble et accorde-nous d'être fermes dans la foi, d'être affermis dans la foi, d'être
décidé et courageux pour que ton nom soit glorifié. À toi seul, soit la louange, l'honneur et la gloire et l'adoration. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Puis-je demander aux parents? J'entends ce cœur crois seulement. Non, grâce, pardon. Grâce. La grâce au lieu du jugement. L'amour de Jésus et sa miséricorde. La grâce au lieu du jugement. La grâce plus grande que mes fautes. Bien-aimé Seigneur, toi, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions de tout notre cœur de ce que nous pouvons nous tenir ici et regarder à toi. Nous te remercions de ce que tu as béni nos frères et sœurs si richement. Tu leur as accordé un enfant en bonne santé. Ils te l'apportent de nouveau. Seigneur, nous te consacrons cet enfant. Nous bénissons cette Ronia. Nous te demandons, agrée cet enfant et bénis l'enfant d'une bénédiction éternelle, de ton amour, de ta grâce et de ta bonté et de ta miséricorde pour ce temps et pour toute éternité, dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Acceptez, remerciez le Seigneur. Chantons ceci est le jour, ceci est le jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et reconnaissants. Ceci est le jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, au Seigneur soit la reconnaissance de ce que de nouveau nous pouvons être sous l'écoute de sa parole. Et nous avons entendu que dans la parole qui a été lue, nous avons compris de quoi il s'agit, c'est-à-dire il s'agit de la vraie foi dans les vraies promesses que Dieu, dans sa parole, nous a données. Je voudrais mentionner rapidement que le frère Beat Munch m'a remis les dernières salutations du frère Zink et disait dans ses dernières paroles, « Salut frère Frank ». Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a repris auprès de lui, notre bien-aimé frère. Je pense à toutes ces années en arrière, en 1967 à Winterthur, dans la même réunion avec le frère Ruf et le frère Zink, alors que le Seigneur avait ouvert son cœur. Aussi, les deux frères ont consacré leur vie au Seigneur
et ont ouvert leur cœur pour accepter et recevoir ce que le Seigneur, dans ce temps, a à nous dire. Ensuite, les remarques que nos jeunes ont fait, qui pendant tout ce qui était présent lors de cette réunion de jeunes, qui ont été richement bénis, que le Seigneur soit remercié pour cela, de ce que des jeunes consacrent leur vie au Seigneur et avec lui, eux peuvent marcher durant cette vie. Nous sommes au Seigneur pour tout, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qui peut être fait pour que tous puissent prendre part à ce que Dieu fait maintenant sur terre. Et nous disons, n'est-ce pas, toujours de nouveau, bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment l'axe le plus important, la période la plus importante dans toute l'histoire du salut. Le dernier message, le dernier appel qui maintenant retentit avant le retour du Seigneur, retentit maintenant, et ça c'est la grâce que nous avions et que nous avons encore pour croire ce que Dieu a, n'est-ce pas, promis pour ce temps et de ce qu'il a envoyé son serviteur, le prophète, avec un mandat direct d'envoyer ce message avant le retour de Christ. Ce message qui serait précurseur du retour de Christ. Et à chaque fois, cela inonde mon cœur quand j'y pense. Jean-Baptiste se tenait au Jourdain. Il venait d'avoir baptisé notre Seigneur. Le ciel s'est ouvert et la gloire de Dieu est descendue et la voix s'est fait entendre, a retenti. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé toute mon affection, tout mon bon plaisir. Frère Branham se tenait dans le fleuve bleu Ohio, était en train de baptiser un jeune frère en tant que la 17e personne, quand subitement, il a entendu ces mots, ces paroles. Regarde en haut, lève la tête, et encore une fois, lève la tête. Et ensuite, voici, la nuée de gloire est descendue visible pour tous ceux qui étaient présents. Et de ce vent tumultueux, la nuée vint accompagnée d'un vent tumultueux, et la voix de cette nuée a retenti s'adressant à frère Branham, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, dites-moi, qu'est-ce que Dieu aurait encore pu faire de plus que d'une manière visible, confirmer les promesses pour ce temps d'une manière qu'il y ait des témoins oculaires et irréculaires. Et je remercie mon Dieu à chaque fois d'une manière nouvelle de ce qu'en avril 1966, lors de l'enterrement de frère Branham, j'étais présent. Et là-bas, Billy Powell, le fils de frère Branham, a posé la question, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont présents, qui étaient là le 11 juillet 33. Et d'abord, ils ont levé les mains d'abord et ensuite ils se sont levés. J'ai compté rapidement. Il y avait entre 12 et 15 personnes qui en 66 étaient encore présents, qui ont témoigné avoir été présents en 33 lors de cet événement surnaturel, 11 juillet 1900.
33. Mais maintenant, justement, il est important que Dieu nous accorde la grâce de tout notre cœur de croire que la prophétie, la promesse dans notre temps s'accomplit. Voici, je vous envoie mon prophète ou alors le prophète Élie devant ma face. Et c'est là, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. C'est très intéressant quand, dans les quatre exposés de l'Évangile, on lit ce qui a été dit sur Élie et comment aussi notre Seigneur a répondu et comment est-ce que Jean-Baptiste a répondu. C'est vraiment très, très puissant. Dans Jean 1, l'homme de Dieu, on lui a posé la question, Jean-Baptiste, au verset 21. « Es-tu Élie ?» Il disait non, je ne le suis pas. Oui, mais qui es-tu? Es-tu le prophète? Non. Es-tu Christ? Non. Qui es-tu? Et ensuite, au verset 23, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le Seigneur, le chemin du Seigneur, frayez un sentier pour notre Dieu. Jean-Baptiste savait exactement qu'il n'était pas ce Élie-là qui viendrait avant le jour terrible de l'autable éternel. Et c'est peut-être raison qu'il vint dans l'esprit et dans la puissance d'Élie pour, et notre Seigneur, dans Matthieu 17, au verset 11, pouvait confirmer de manière nouvelle, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif pour que les croyants juifs puissent le saisir et n'aient plus besoin d'attendre encore quelqu'un d'autre. Le Seigneur a dit au verset 12, mais Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Simplement puissant de voir comment est-ce que de tels sujets importants ont été résumés. Et nous vivons dans un temps dans lequel, n'est-ce pas, toute la parole, vraiment, comme jamais auparavant, a été révélée et que réellement, nous pouvons, par la grâce de Dieu, comprendre chaque chapitre, recevoir la parole de Dieu et ainsi nous préparer dans la pratique pour le jour glorieux du retour, notre Seigneur. Vraiment, personnellement, vivre ce retour, vivre d'avoir trouvé grâce devant Dieu, d'avoir reconnu le jour et l'heure, le message et le messager, et de tout notre cœur, croire et dans l'obéissance, suivre le Seigneur. Ensuite, nous avons les salutations. Le frère Jean Lambert a apporté les salutations de Kinshasa et aussi d'Abidjan. Nous sommes très, très reconnaissants aussi de ce que des frères qui subitement avaient des interprétations et propageaient des enseignements qui ne sont pas bibliques se laissent corriger et acceptent et respectent ce que la sainte parole de Dieu vraiment dit. En ce cas, il s'agissait de ce que frère Branham, n'est-ce pas, avait dit une fois, que maintenant, sur terre, nous sommes profondément liés et unis avec le Seigneur, comme cela a lieu avec un époux et une épouse lors du mariage. Et de cette citation, les frères ont fait cet enseignement que maintenant, le mariage a lieu sur terre et que ensuite le souper des noces aura lieu ensuite au ciel. Et tous nous savons que le mariage et le repas des noces vont ensemble. C'est un même événement. Mais comment est-ce que très rapidement l'adversaire s'infiltre avec des pensées religieuses pour tordre le sens de ce qui a été dit et en faire un enseignement? Et c'est peut-être raison que c'est d'une grande signification de respecter
les Écritures et aussi les citations de Frère Branham, les placer bibliquement à leur place, dans leur contexte. Et à Krefeld, lors de la dernière fois, nous l'avons dit, jusqu'au dernier instant, l'appel retentit. Voici, l'époux vient. Et tous, vous savez que quand le mariage a lieu, alors il n'est plus l'époux, mais il est, et ce n'est plus une épouse non plus. Et c'est peut-être raison que c'est important, jusqu'à l'Apocalypse, le chapitre 22, et l'esprit et l'épouse disent « viens ». Pas auparavant, déjà marié, mais l'esprit et l'épouse disent « viens », tel que c'est écrit dans la sainte et précieuse parole de Dieu. Je me réjouis à chaque fois beaucoup de la sainte et précieuse parole de Dieu. Quand vous parfois vous voyez quelle joie profonde me pénètre quand je lis la sainte parole de Dieu. De ma nature, je ne suis pas un homme joyeux. Je prends toutes choses au sérieux. Je ne connais pas une seule blague. Je ne connais pas une seule blague. Mais, vraiment pas. Mais quand la parole de Dieu inonde mon cœur et que je vois le contexte et que cela m'est révélé, cela me touche du profond de mon cœur. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous introduit dans la parole de Dieu. Et nous sommes exactement comme les prophètes et les apôtres étaient dans l'Esprit du Seigneur. Et nous pouvons ce qu'ils ont écrit par l'Esprit de Dieu, nous pouvons dans la foi l'accepter et le recevoir. Nous allons considérer quelques Écritures et faire confiance au Seigneur de ce qu'il puisse vraiment à nous tous aujourd'hui faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et qu'il puisse faire quelque chose et que notre venue ait servi à quelque chose. Et que tous les frères et toutes les sœurs qui dans le monde entier sont connectés, liés avec nous et aussi avec le Seigneur, que tous ceux qui écoutent, que cela ait lieu, que réellement nous devenions une épouse parole dans l'amour uni avec notre Seigneur et que, comme tous nous le savons, l'amour est le lien de la perfection divine et que le Seigneur, n'est-ce pas, c'est dans son amour qu'il nous a rachetés, c'est dans son amour qu'il parle avec nous et il l'achèvera en nous et avec nous tous dans l'amour divin, son œuvre de grâce. Et nous remercions le Seigneur de tout notre cœur de ce que dans ce temps nous avons la grâce de vivre et de reconnaître ce que Dieu fait dans le présent. Car si cela peut être encore mentionné, c'est simplement puissant de ce que le monde entier, et maintenant nous avons réellement, avec tous les différents canaux et toutes les différentes possibilités, nous avons dépassé les limites de 10 000 connexions et Dieu est présent. Et c'est ainsi qu'il a pris soin pour lui, il a pris soin lui-même pour que tous les frères dans le monde entier utilisent encore d'autres canaux pour transmettre aux autres la parole qu'ils reçoivent d'une manière que vraiment le monde entier peut entendre parler de ce que Dieu fait maintenant. Et tous, vous savez, j'ai pris de l'âge et je ne vais plus pouvoir voyager comme jusqu'à maintenant. Mais par la connexion, c'est simplement devenu possible de partager la sainte et précieuse parole de Dieu de la même manière qu'elle a été
apporté pour que tous puissent être informés de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu fait, et que nous puissions ainsi, par la grâce de Dieu, vivre notre édification et notre préparation. Laissez-moi commencer avec Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Et si nous lisons verset 3. Éphésiens chapitre 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Éphésiens 3, verset 3. Je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Pas seulement dans la tête, un savoir, une connaissance, mais une profonde révélation de l'Esprit de Dieu dans le cœur. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Cela lui a été confié. Encore le verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Pas dans une école biblique, pas dans un séminaire, mais comme maintenant, cela fut révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est fondé sur la révélation. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair, justifié en esprit. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous avons eu la grâce de reconnaître le Seigneur, et que réellement, il nous a fait entrer, il nous a introduit dans le lieu très saint, et que l'arche de l'Alliance est ouverte, et que son contenu, la parole de Dieu, nous a été nouvellement révélé, et que réellement, nous n'avons jamais eu besoin d'aller dans une école biblique et aucune, non plus dans un cimetière de prédicateurs. Mais comme le Seigneur lui-même a dit, chacun qui est instruit dans l'école du royaume de Dieu, Dieu le Seigneur soit remercié de ce qu'il a établi différents ministères dans l'Église, et que c'est par ces ministères-là que l'Église doit être édifiée. Et bien, mes frères et sœurs, tel que le Seigneur a, n'est-ce pas, révélé toutes ces choses, toute sa parole, tous ses mystères à ses saints apôtres et aux prophètes de Christ. C'est ainsi que dans ce temps, nous avons reçu toute la révélation de la parole des apôtres et des prophètes. Et il n'y aura personne parmi nous qui restera assis sans que cela lui soit aussi révélé par Dieu. Nous croyons ce que les Écritures disent, et la parole de Dieu pour nous est vivante et elle produit toujours en nous tous l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et ici, c'est vraiment la chose puissante. Quand Dieu envoie sa parole et que nous la recevons, alors elle ne revient pas à lui sans effet, mais elle produit toujours l'effet en nous, tous qui l'avons reçu.
l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et ça, je le dis encore très simplement, pas seulement aux prédicateurs qui prêchent la parole, mais cette révélation par le Saint-Esprit est accordée à tous ceux qui croient la prédication. À eux aussi, le bras de l'Éternel est révélé. Ils foulent le sol de la révélation et reçoivent la même intelligence, la même révélation, parce que par le même Dieu, par le même Esprit, par la même parole, ils sont enseignés sous le coude de la parole. Et je le crois de tout mon cœur et par conviction que le Seigneur, dans notre temps, a une œuvre puissante qu'il fait dans les siens. Nous avons été appelés à sortir, mis à part et purifiés dans le bain de la parole de Dieu, sanctifiés et purifiés, lavés, purifiés dans le sang de l'agneau. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons avec un cœur sincère témoigner que ça, c'est ce que le Seigneur a produit en moi, en toi, en nous tous, par sa grâce. Nous avons pas en vain écouté la parole de Dieu et nous l'avons pas cru en vain. Et comme aujourd'hui, n'est-ce pas, nous l'avons entendu des jeunes, cela nous touche le cœur à tous. De ce que Dieu touche le cœur de tous, atteint le cœur de tous, et que tous l'acceptent, le reçoivent, et croient, et reçoivent ces choses révélées par Dieu lui-même. Et comme cela est écrit ici encore, ensuite, au verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps, et participent à la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Vous savez que ça, c'était vraiment le grand problème. Alors que la parole des Juifs était passée aux païens, on n'a pas pensé à ce qui était écrit dans Ésaïe 42. À ce qui était écrit dans Ésaïe 49, au verset 6 et au verset 8, et dans Ésaïe 42, versets 1 et 2, que le Seigneur, n'est-ce pas, est venu comme lumière des païens, et que le salut de Dieu ira jusqu'aux extrémités de la terre et sera manifesté. Bien sûr que le Seigneur est venu d'abord chez les siens. C'est ainsi que c'est écrit. Il vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et ensuite, Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, n'est-ce pas, a cité ces deux versets et employé ces deux versets du prophète Ésaïe. Et dans Actes des Apôtres 13, Actes des Apôtres, il a dit, nous nous tournons vers les païens pour leur apporter la parole, pour que s'accomplisse ce que Dieu, par la bouche d'Ésaïe, a prophétisé. Je me réjouis à chaque fois quand dans la Sainte Écriture, le passage d'une promesse à l'autre a lieu, comme le Seigneur avait dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens, et ensuite dans l'ordre missionnaire, il a dit allez jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher l'Évangile. Il y a eu un temps pour toutes choses, et je me réjouis quand le temps pour quelque chose arrive dans le royaume de Dieu. Et si nous voulons encore faire un saut jusqu'à l'établissement du règne de notre Seigneur, que ce soit déjà dans le prophète Ésaïe au chapitre 9 ou bien dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament, que ce soit dans Apocalypse, le chapitre 11, au verset 15, où le règne est proclamé, et Apocalypse 12, encore une fois, la chose terrestre, le millénium, n'est-ce pas, aura comme centre Jérusalem,
Jérusalem sera le centre de ce que Dieu fera sur terre. Et tous les peuples viendront à Jérusalem et adoreront. Mais nous, en tant qu'Église du Nouveau Testament, nous avons notre place. Donc, en tant qu'épouse, nous avons notre place dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pour cette raison qu'il est dit, « Je te montrerai l'épouse de l'agneau. » Et ensuite, la Nouvelle Jérusalem descend. La femme et l'épouse de l'agneau. L'épouse et la femme. Et nous avons notre place dans la Nouvelle Jérusalem. Et notre Seigneur reviendra nous prendre auprès de lui. Et nous entrerons dans cette sainte ville. Et nous aurons là-bas le souper avec lui. Comme il a dit, je vais vous préparer une place. Et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Mais quand ensuite le millénium commencera, alors ici sur terre, ce sera comme un paradis. Et Jérusalem sera le centre de cet événement. Nous ne pourrons pas nous entrer dans les détails de ces choses, mais je me réjouis simplement de ce que tout dans les Saintes Écritures, d'une manière si merveilleuse, sont à leur place. Et que le Seigneur nous a accordé la même clarté comme il l'a accordé aux prophètes et aux apôtres. Et nous pouvons nous poser la question, est-ce que les prophètes avaient déjà pu dire comment est-ce que la prophétie allait s'accomplir? Est-ce que ce n'était pas les apôtres, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, qui ont, dans le Nouveau Testament, montré comment est-ce que toute la prophétie a trouvé son accomplissement? Est-ce que ce n'était pas les apôtres qui ont ordonné la parole des prophètes dans le Nouveau Testament et ont montré comment est-ce que ça s'accomplit? Et il y a 844 citations et versets de l'Ancien Testament qui sont dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, dans les Actes des Apôtres et dans les Évangiles. Les apôtres ont reçu la grâce de Dieu et tout ce qu'ils ont écrit et prêché, ils l'ont fondé sur le fondement de l'Ancien Testament et des prophètes, comme nous l'avons lu, tel qu'il l'a révélé à ses apôtres et aux prophètes, à ses prophètes et aux apôtres de Christ. Et comme nous pouvons continuer à lire dans cette précieuse parole, verset 7, ensuite, Éphésiens 3, verset 7, dont j'ai été fait ministre. Oui, le Seigneur a fait en sorte, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Paul est devenu un ministre, un serviteur de Jésus-Christ. Il a été directement établi dans le ministère. Et ensuite, nous continuons à moi, qui suis le moindre de tous les saints. Ici, il ne s'agit pas seulement de retourner aux apôtres et aux prophètes, mais il dit à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Les plus simples, les moindres qui existent sur terre. Mais nous avons seulement trouvé grâce devant Dieu. Un appel saint, un mandat saint, et pour annoncer, comme c'est écrit ici, la sainte et précieuse parole de Dieu, et tous ceux qui sont de Dieu écouteront, prêteront l'oreille et croiront. Mes lunettes sont un peu, et la lumière ne suffit pas. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens le message du salut, les richesses incompréhensibles de Christ.
et de mettre en lumière le moyen de faire connaître. De faire connaître en allemand l'accomplissement et l'exécution du mystère caché de toute éternité. Accomplissement et exécution. Éternel en Dieu qui a créé toutes choses. Verset 9. Nous pouvons continuer à lire. Ce que le Seigneur a fait par la prédication, par la bouche des apôtres et des prophètes. Et disons encore cela, bien-aimés frères et sœurs, que dans ce temps, nous avons trouvé grâce devant Dieu, que nous pouvons accepter et reconnaître ces choses. Je veux continuer à lire dans 1 Timothée, le chapitre 6. 1 Timothée, le chapitre 6, verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. D'exécuter le commandement d'une manière à ce que tu vives sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quelle parole puissante. Et si nous sommes attentifs, exactement attentifs, alors cette parole, dans ce temps, est adressée en fait à nous. Nous voulons encore lire jusqu'à l'apparition. Et nous attendons, n'est-ce pas, l'apparition, le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, exécute le commandement, le mandat, l'ordre, afin que l'Église épouse soit sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur. Pour que l'épouse Église soit sans reproche, il faut que le message, la prédication, l'enseignement soit sans reproche, soit pur. Car c'est seulement dans la vraie parole que nous pourrons être sanctifiés et préparés. Donc, exécute le mandat, le commandement, d'une manière que tu vives sans tâche, verset 14, il relit, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous nous attendons le retour de Jésus-Christ, de notre Seigneur. Et bien, mes frères et sœurs, quand nous regardons aux années passées que le Seigneur nous a accordées, aussi ici à Zurich, les réunions mensuelles et ensuite dans le monde entier, tout simplement, c'est merveilleux de voir ce que Dieu fait maintenant, dans le présent, et comme nous l'avons lu ici, jusqu'à l'apparition de notre bien-aimé Seigneur, que le Seigneur, comme il est écrit ici, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain. Ainsi, nous avons la grâce d'annoncer tout le salut, tout le conseil du salut de Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, entre tous ces ordres que le Seigneur a donnés, il y en a deux qui s'élèvent au-dessus de tous les autres,
concernant ceux qui ont encore à lutter avec tous les différents faux enseignements et aussi particulièrement ceux des tonnerres. Seulement parce que frère Branham a mentionné le mot tonnerre, cette tonnerre. Mais il n'a jamais dit ce qu'ils sont. Mais il a simplement fait que dit toujours en répétant cette expression, cette tonnerre, cette tonnerre, cette tonnerre. Et quand de ces deux fois, encore une fois, je peux le mentionner, bien mes frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la famille Barillier ici aujourd'hui, mais c'était en 1980 à Marseille, alors que le frère Barillier et moi, nous avions eu des réunions là-bas. Et le soir, après la réunion, les frères vinrent et m'ont entouré et m'ont demandé « Qu'est-ce que c'est que les sept tonnerres ?» Et je ne savais vraiment pas, sincèrement, et jusqu'à aujourd'hui, je ne le sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Et je devais simplement dire « Je ne sais pas. Je ne le sais vraiment pas. Bonne nuit. » Et le matin, tôt le matin, vous savez, je regardais à l'heure. Quand l'expérience fut terminée, il était 5 heures moins 5. Quand, avec la voix audible, puissante du Seigneur, on est réveillé et on entend, « Mon serviteur, lève-toi et lis 1 Timothée 4. Je vais parler avec toi. » Je ne veux pas vous... Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que cela signifie à ce moment? Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Mais alors que je lisais du verset 1 jusqu'au verset 5, j'ai tout de suite de quoi il s'agissait. Prêche seulement la parole, rien d'autre que la parole. 2 Timothée 4. Car un jour viendra où ils ne supporteront plus la sainte doctrine et s'accumuleront des docteurs. Et qui leur prêcheront des fables. J'ai su alors à partir de ce moment-là ce qui est important. Pas d'annoncer ou bien de suivre une soi-disant révélation, mais de prêcher la parole de Dieu. Et que seule la parole de Dieu, comme c'est écrit dans le psaume 119 au verset 105, soit une lampe sur notre sentier. Et jamais nous allons accepter quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible. Il faut que ce soit témoigné dans la Bible. Et n'est-ce pas la deuxième chose? C'était ce que le frère Donnie Patrice à M. Monton me demandait. En fait, des salutations, toute la famille Wendel et Ellis d'Edmonton vous salue à tous. Vous salue tous ici aujourd'hui à Zurich et aussi tous ceux qui écoutent. Alors que le Seigneur avait accordé sa grâce. Et aussi, samedi soir, alors que, comme pour toujours, n'est-ce pas, j'étais allé me coucher le matin avec une du même jour, cet entretien. Et le frère m'avait dit, mais frère Franck, tu voyages dans le monde entier. Et le ministère de frère Branham était dans la Bible et est écrit dans la Bible en tant qu'une promesse. Et qu'est-ce qu'il y en a de ton ministère? J'ai simplement rejeté, j'ai dit, tais-toi, arrête avec cela, arrête tout de suite. Non. Mais le prochain matin, cette fois-ci très court, avant 7 heures, mon serviteur, lève-toi et lis, vous connaissez Matthieu 24, verset 45 jusqu'au verset 47. Je t'ai établi, je t'ai déterminé à distribuer la nourriture au temps convenable. Que pensez-vous? Quelle responsabilité nous avons devant Dieu et aussi en face de l'Église. Quelle responsabilité est liée à ça pour que l'Église du Dieu vivant, avec toute véracité, à elle, il soit seulement prêché la parole de Dieu et que nous puissions, comme l'époux parole, devenir une épouse de parole, chair de sa chair, eau de ses eaux, comme Paul, dans Éphésiens 5, l'a exprimé. Simplement reconnaissant pour toutes les directions du Seigneur dans les déroulements
des années passées. Et maintenant, nous nous tenons vraiment devant la fin. Les derniers sont appelés à sortir et consacrent leur vie au Seigneur. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est vraiment le temps le plus important avant le retour de Christ. Tout devait, n'est-ce pas, être ramené dans l'étape voulue devant Dieu. Devenir un seul cœur, une seule âme, avoir un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous n'avons pas besoin de révélation sur la divinité. Tout nous a été déjà révélé. Et il y a un frère en Inde qui, en 1954, aussi à Bombay, était, alors que frère Branham là-bas prêchait. Et moi aussi, plusieurs fois, dans son église, j'ai prêché. Et il est un homme de Jésus seul. Il croit seulement que c'est seulement Jésus, seulement Jésus, seulement Jésus. Et quand ensuite nous revenons à la Bible, le premier chapitre, il y a seulement Elohim dans le premier chapitre. Pas une seule fois le mot Yahvé. Dans le premier chapitre de Genèse, seulement Elohim, Dieu, Dieu, Dieu. Et le deuxième chapitre de Genèse, Elohim, Yahvé. Dieu le Seigneur, Dieu l'Éternel, le Dieu invisible, éternel, est devenu, a apparu dans une forme visible. Et dans tout l'Ancien Testament, plus de 6500 fois, Dieu l'Éternel, parce que le Dieu invisible, visiblement, en tant qu'éternel, en tant que le Seigneur, l'Éternel, a apparu. Et Jésus est l'apparition visible du Dieu invisible, mais cette fois-ci dans la chair. Car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Simplement reconnaissant de ce que nous avons la grâce de, en toutes choses de revenir aux Écritures et de savoir que Dieu vraiment nous a conduits ainsi pour seulement croire ce, pouvoir seulement croire ce qui est écrit dans la Bible, témoigné par les apôtres et les prophètes. Je me suis encore écrit beaucoup d'écritures importantes, aussi de Timothée. Tous, n'est-ce pas, nous connaissons les saintes paroles de Dieu. Disons encore cela, encore une fois. Nous avons reconnu le jour et l'heure. Et comme déjà ici, nous l'avons dit clairement, tel que Jean-Baptiste, à la fin de son voyage, pouvait dire, de sa course, pouvait dire, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, par conviction, nous pouvons dire, aussi certain que tous se sont laissés baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils seront présents quand le Saint-Esprit achèvera parmi les vrais croyants l'œuvre de Dieu. Dieu le Seigneur lui-même, de manière surnaturelle, sera à l'œuvre. Personne n'a besoin d'attendre à frère Branham, d'attendre frère Branham, ou bien d'attendre frère Franck. C'est le Seigneur lui-même, et je me réjouis à chaque fois, de manière nouvelle, quand je peux le lire dans Romains 9, au verset 28. Le Seigneur lui-même achèvera sa parole. Il achèvera lui-même sa parole. Combien de fois, en cet endroit, nous avons eu à le dire, comme c'est écrit dans Romains 9. Résumons de quoi il s'agit, bien-aimés mes frères et sœurs. Il s'agit maintenant de croire de tout notre cœur, de croire, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. De croire ce que le Seigneur a promis, et particulièrement pour cet laps de temps dans lequel nous vivons maintenant. Et ici, oui, nous pouvons encore lire cette parole précieuse de Romains, le chapitre 10, Romains chapitre 10, verset 16, Romains 10, verset 16. Mais tous
n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui est-ce que le bras d'Éternel a été révélé? Et ensuite, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons que dire oui et amen à tout ce qui a été lu. La parole de Dieu est adressée à nous dans ce temps, tel que dans tous les différents âges, il y a eu un reste, et que dans chaque réveil, il y a eu des hommes qui ont suivi le message qui, dans leur temps, a été annoncé jusqu'au réveil pentecôtiste. Mais après la Deuxième Guerre mondiale de 1946, il y a eu un nouveau abs de temps, une nouvelle période qui a commencé, un réveil de guérison. Il n'y avait pas de réveil de guérison auparavant. Il y avait Charles Price qui témoignait avoir été guéri. Mais il n'y avait pas eu de réveil, de réunion, de réveil, de guérison. C'est depuis 1946, alors que frère Branham avait reçu ce mandat. Et il lui a été dit, tel que à Moïse, deux signes ont été donnés. C'est ainsi qu'à toi, deux signes seront donnés. Et tous, nous connaissons, n'est-ce pas, la description de son ministère. D'abord, de manière évangéliste et ensuite prophétique. Et dans la lignée des prières, le Seigneur, n'est-ce pas, lui a montré des visions et lui a montré qui étaient ceux qui se tenaient devant lui et qu'est-ce qu'ils ont, quel problème ils ont et quelle maladie ils ont, etc. Et ensuite, cela a conduit à ce que des hommes ont été guéris instantanément et que pendant 3 ans, donc de 1946 jusqu'à 1949, c'était le plus grand réveil qui avait existé sur Terre. Si rapidement, cela s'est propagé partout. Parce que Dieu, par frère Branham, avait un ministère d'évangélisation et par ce don particulier de guérison. Car ça a été exprimé. Il aura un don de guérison divine. Il te sera donné un don. Et frère Paul a décrit ce don de guérison. Il y en a qui ont un don de guérison, un don de faire des miracles. Et cela a été donné personnellement à frère Branham. Il lui a été même dit, c'était son mandat qu'il avait reçu du Seigneur, avec un don de guérison et un don pour faire des miracles. Et c'est comme ça que ces choses merveilleuses et miraculeuses avaient lieu. Nous connaissons particulièrement de ce Suisse ici, de ce couple suisse. Et la fille de 11 ans qui était dans la ligne de prière à Karlsruhe en Allemagne en 55. Et moi, j'étais assis devant au deuxième ou bien troisième rang. J'ai toujours voulu exactement savoir et écouter exactement et voir exactement de mes propres yeux, de mes propres oreilles, ce qui se passe. Et le couple apporte leur fille de 11 ans sur la plateforme. Et frère Branham regarde et dit, vous n'êtes pas de l'Allemagne, vous venez de la Suisse et votre fille est née aveugle et vous êtes venu dans cette campagne dans la foi. Et il a un peu dit des détails sur eux et ensuite il a prononcé ces mots-là rapidement. Il a dit, sois guéri, retrouve ta voix, il a dit voix au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la fille a crié, elle a sauté sur la plateforme d'un côté à l'autre, elle allait à l'autre côté et frère Branham disait, s'il te plaît, viens, reviens ici et mets ta main, ton doigt sur mon nez, mets ton doigt sur mon nez. Et la fille est revenue
elle a touché avec son doigt le nez de frère Branham. Tous, nous avons pleuré. Nous avons remercié, loué Dieu, exalté de joie. Soir pour soir, des gens se tenaient, sont venus sur des civières paralysées, sont sortis en portant eux-mêmes leurs civières. Ils ont crié de joie, loué Dieu dans ces réunions à caractère évangéliste. Mais ensuite a suivi la deuxième partie, la partie prophétique, le ministère de prophète, et je ne peux pas rentrer ici dans les détails, mais ça c'est pour nous la chose principale. La partie prophétique pour ce dernier temps. Tous les autres, c'est vrai, le plein évangile appartient à cela, le pardon de nos péchés, la guérison de notre corps, tout appartient à cela. Et cet homme de Dieu a prêché tout, et cela devant nos yeux sont devenus une réalité divine. Que aussi en cela puisse être manifesté que nous croyons, comme l'a dit les Écritures. Et ça, je l'ai dit deux ou trois fois ici, une fois dans la ligne de prière, le frère Aost, ce soir-là, était mon traducteur. Une fois, subitement, dit frère Branham, un moment s'il vous plaît, je vois l'océan. Pas mon traducteur, était le traducteur de frère Branham, pardon. Je vois l'océan, je vois les immeubles, je vois beaucoup de voitures, et je vois New York. Et il regarde cet homme qui était devant lui, et il lui dit, viens, tu viens de New York. Tu étais un prédicateur dans l'Assemblée de Dieu, et tu es, en tant que missionnaire, venu ici, en Allemagne. Il a resté tranquille et subitement il dit, tu es le papa de mon traducteur. Il n'avait jamais vu cette personne auparavant. Il n'avait jamais vu, jamais échangé un mot avec lui. Mais la révélation parfaite, comme notre Seigneur lui-même, dans son ministère de fils de l'homme, l'avait sur terre. Dans Jean 5, verset 19, le fils ne fait rien sans avoir d'abord vu ce que le Père fait premièrement. C'est ce que le Fils fait ensuite. La même chose, exactement le même ministère. Et frère Branham l'a dit en insistant. Autrefois, c'était le dernier ministère parmi les Juifs. Et maintenant, dans le dernier âge de l'Église, le même ministère se répète. Le même ministère qui était effectué autrefois par le Seigneur lui-même en tant que Fils de l'homme. Le même ministère dans notre temps s'est répété. Et je peux lever mes mains, lever mon cœur et remercier Dieu. Que ce soit à Karlsruhe, que ce soit dans l'Axe Texas, que ce soit à Jeffersonville, Dieu m'a accordé la grâce d'être témoin oculaire et iroculaire pour pouvoir ensuite dire à tous les autres ce que Dieu a préparé pour cette étape de temps et accompli. Et je peux, avec la dernière conviction, confirmer que cet homme était un homme envoyé de Dieu avec le message divin adressé à l'Église pour l'appeler à sortir, pour la séparer, pour la préparer, pour la blanchir, la purifier, la sanctifier, jusqu'à qu'elle soit remplie et scellée du Saint-Esprit, ensuite enlevée, passée de la foi à la vue, comme Paul l'a dit ici, il m'a été donné, moi le moindre, le ministère d'apôtre. Dieu a des ministères qu'il a établis dans l'Église, et nous sommes reconnaissants de ce que c'est par sa grâce que nous avons la grâce de voir ce que Dieu fait. Maintenant, il est en train d'achever tout et que nous pouvons nous-mêmes, de manière internationale, avoir part à tout ce que Dieu fait. Et comme le Seigneur l'a donné à Abraham, il a dit, en toi seront bénies toutes les nations de la terre.
en allemand, les races de la terre. Et cela a lieu maintenant. Et comme le Seigneur l'a dit, l'évangile, cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à tous les peuples, langues et les nations. Et ensuite viendra la fin. C'est ainsi que frère Branham l'a dit en répétant ce qui lui a été dit. Ce message, n'est-ce pas, sera précurseur du retour de Christ et sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Et cela a lieu devant nos yeux. Nous sommes témoins oculaires et irréculaires de ce que tout ce que Dieu a prononcé de sa bouche et a promis dans sa parole trouve dans notre temps l'accomplissement. Dieu, les promesses de Dieu demeurent, elles ne s'ébranlent jamais. C'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans la parole. Le ciel et la terre brûleront, ou alors les collines iront en flammes, mais celui qui cherche constatera que la parole de Dieu demeure vraie éternellement. Amen. C'est un cantique. Levons-nous pour la prière. J'entends tel que je suis sans rien de moi. Qui veulent peut-être lever la voix et prier, tout simplement. Lever la voix et prier. Père Céleste, à toi soit toute la louange, la gloire et l'adoration pour tout ce que tu nous as accordé. Tu as laissé ta vie pour nous à Golgotha. Tu nous as accordé une telle grâce, une grande grâce, de croire ta parole telle que c'est écrit. Tu nous as cherchés jusqu'à ce que tu nous aies trouvés. Te remercions pour ta grâce. Durant toutes ces années, tu nous as pris par la main. Tu nous as jamais laissés et tu nous as toujours conduits. Nous te remercions et donnons à toi seul l'honneur et te remercions de ce que cet après-midi, tu nous as bénis. Tu nous as accordé ta parole que nous pouvons écouter. Tu as parlé à nos cœurs. Tes paroles sont oui et amen. Seigneur, que nous puissions repasser ces paroles dans nos cœurs et qu'elles produisent l'effet pour lequel nous l'avons reçu. Seigneur, que ces paroles soient conservées dans le dépôt de notre cœur. Nous te remercions que nous soyons des lettres lues de tous les hommes. Que nous puissions refléter ta parole pour que les gens puissent nous poser la question « Qu'est-ce que nous avons ?» et que nous puissions leur répondre et que nous puissions rendre témoignage. Accorde-nous ton esprit, accorde-nous ta sagesse. Nous te faisons confiance de ce que tu nous conduis sur ton chemin. Nous te disons merci Seigneur. Jusqu'à que nous allions avec toi dans la gloire. Seigneur, nous te disons merci. Bénis ton serviteur, le porteur de ta parole. Fortifie-le dans l'esprit, l'âme et le corps.
Accorde-lui toujours de nouvelles forces. Accorde-lui ta puissance pour prêcher ta parole. Et qu'elle soit propagée dans le monde entier. À toi soit la louange, la gloire et l'adoration. À toi seul, Seigneur. Ta parole est valable pour nous. Elle est valable pour nous. Elle est restée la même pour nous. Que ton nom soit loué, exalté. Amen. Amen. Avons-nous des requêtes particulières que nous pouvons apporter au Seigneur? Levez les mains rapidement. Nous voulons chanter avant la prière, crois seulement, crois seulement. Je veux encore dire cela devant la face de Dieu. Lors du départ, le 3 décembre 1962, sur le parking, avant que nous nous quittions, Frère Branham et moi, avant que Frère Branham parte, avant que nous nous quittions et qu'il aille dans sa voiture, j'avais dans le cœur, est-ce que j'ai le droit de prier pour les malades? Et sa réponse était spontanée. Tous ceux que le Seigneur a appelés à prêcher l'Évangile, il les a aussi appelés
à prier pour les malades. Et cela aussi est valable pour toi. Je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Je n'ai pas ce don particulier de guérison. Mais Dieu confirme sa parole, la parole que nous prêchons. Acceptez cela aujourd'hui, que Dieu exauce les prières et qu'il sauve, il délivre, il guérit et il bénit et qu'il confirme sa parole et manifeste sa présence. Dieu Tout-Puissant, nous avons entendu ta parole et nous te disons merci de ce que, n'est-ce pas, tu as accordé cet ordre missionnaire de prêcher l'évangile à tous les peuples et de prier pour les malades. Bien-aimé Seigneur, et ça nous le faisons aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, prêché ta parole, les promesses précieuses de ta parole sainte et précieuse que nous croyons tous de tout notre cœur. Et maintenant, nous te demandons ensemble, tu connais tous les problèmes, toutes les difficultés parmi les jeunes, les adolescents, les adultes, les âgés, compris de l'âge. Nous venons tous ensemble devant ta face dans la foi et te demandons de confirmer toi-même ta parole, de sauver, de délivrer, de guérir et de bénir. Alléluia. Et nous te remercions de ce que toutes les bénédictions parmi ton peuple vont être manifestées. Et nous te remercions de ce que nous pouvons croire, comme le dit les Écritures. Maintenant, je te demande, bien-aimé Seigneur, que tous puissent repartir avec cette certitude de la foi, que tu es présent et que tu as vu leur requête et que tu as exaucé leur prière. Et nous croyons de ce que tu interviendras et que tu béniras comme déjà prié. Tu accordes guérison, délivrance, salut. Tu fais toutes choses bien pour l'honneur de ton nom. Et nous te demandons aussi pour tous ceux qui, dans tous les peuples, les langues, écoutent, particulièrement aussi pour nos frères et sœurs en Amérique du Sud. Sois avec eux d'une manière très particulière. Oui, bénis-nous. Bénis l'Est, le Sud, le Nord et l'Ouest. Nous te remettons ton Église et nous savons que tu achèveras ton œuvre de grâce en chacun de nous pour le jour glorieux de ton retour. Loué et exalté soit ton saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qui propose un cantique? 545, le cantique 545. Que Dieu vous bénisse tous. Hein. L'épouse attend ton retour depuis longtemps. Ô Fils de Dieu, quand est-ce que tu viendras essuyer ses larmes et accorder le temps de rafraîchissement? Reviens bientôt, Seigneur Jésus. C'est vrai qu'à chaque heure,
tu es parmi tes disciples. Tu leur exprimes ta paix et exauces leurs prières. Mais, Sauveur, ça ne nous suffit pas. Nous voulons voir ta face. Accorde, reviens bientôt, Seigneur Jésus. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Les moqueries de l'adversaire sont toute douleur pour nous qui blasphèment ton nom, toi le Dieu merveilleux, qui ne t'aime pas et ne te comprennent pas. Viens, montre au peuple partout ton royaume et ta gloire. Oh, viens bientôt, Seigneur Jésus. Oh, viens bientôt, Seigneur Jésus. Levons-nous pour chanter le dernier cœur. Que nous puissions veiller nuit et jour, prier, et que nos lampes brillent, et que nous ayons assez d'huile, et que l'huile ne nous manque pas. Et que rien ne nous sépare. Et que cette phrase retentisse. Reviens bientôt, Jésus. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Nous désirons être avec toi aux noces de joie. Oh Jésus, dis, nous t'attendons paré dans ton vêtement. Nous regardons joyeux vers le ciel. Aucun cantique aurait pu être mieux ajusté aujourd'hui que ça. Avez-vous quelque chose contre cela? Que nous puissions faire une photo de cette réunion? Elle a pour moi une signification très particulière. J'aimerais qu'on fasse une photo et on pourrait montrer cela dans une lettre circulaire. Qui a un bon appareil qui pourrait ensuite nous envoyer par l'internet la photo qui... Oui, notre frère vient qui propose un cœur, s'il vous plaît. Je l'aime. Et encore une fois, je l'aime. Je l'aime. Qu'elle vient encore et prie. Remercie le Seigneur avec nous. Oui, Seigneur Jésus, à toi soit la louange, l'adoration, pour ton amour, pour tout ce que tu nous as accordé. Tu nous as créés, tu as parlé avec nous cet après-midi. Mais
mais pas seulement que tu aies parlé à nos cœurs, mais que cette parole puisse produire des fruits. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons que te dire merci? Et nous te demandons, oui, viens bientôt, Seigneur Jésus. Alors là, nous l'avons chanté, et que cela soit ainsi, Seigneur Jésus. Nous t'attendons et nous te remercions, Seigneur, car le temps est court. C'est 2 minutes avant minuit, mais nous te remercions de ce que nous pouvons t'attendre étant prêts, car tu ne nous décevras pas. Seigneur Jésus, si nous nous séparons, bénis chacun individuellement et bénis-nous là où tu nous as placés, à la maison, à l'école, dans la formation. Nous te remercions pour ta présence et te remercions pour ta cet après-midi béni. Accompagne-nous à notre retour à la maison et nous te remercions dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chantons en cœur, cœur et cœur unis ensemble. Cœur et cœur unis, que votre amour soit une flamme qui ne s'éteint jamais. Lui, notre chef, nous, ses membres, notre tête, lui, la lumière, et nous, le reflet. Lui, le maître, et nous, les frères. Est à nous et nous sommes à lui. Amen, amen et amen. Saluez-vous.